Mon métier n'a pas pour but de fabriquer quelque chose. Il n'a pas vraiment l'objectif d'être utile. Encore moins d'être vital. Malgré tout, le monde serait bien ennuyeux sans cette chose qu'est la création. Mon métier est artistique et contemplatif. Je vous propose de me suivre derrière cette aventure extraordinaire de la photographie, afin de découvrir cette titanesque histoire du Mont-Saint-Michel. La longue histoire du Mont-Saint-Michel commence en 708, lorsque l'évêque Aubert fait élever sur le mont Tombes un premier sanctuaire en l'honneur de l'archange. En 966, des bénédictins s'y installent à la demande du duc de Normandie, Richard Ier. Très vite, l'abbaye devient un lieu de pèlerinage majeur de l'Occident chrétien, mais aussi un des centres de la culture médiévale où furent produits, conservés et étudiés un grand nombre de manuscrits. Le Mont-Saint-Michel prit le surnom de « Cité des livres ». Tout à la fois carrefour politique et intellectuel, l'abbaye fut au fil des siècles visitée par un grand nombre de pèlerins, dont plusieurs rois de France et d'Angleterre. Ce mont reculé, petit havre pieux, où le temps semble s'être arrêté. Infrastructure unique en son genre, célèbre dans le monde entier. À vrai dire, la seule imperfection de ce lieu sont les touristes. Mais que voulez-vous, j'en suis un aussi. Mais ce monastère n'a pas toujours été un symbole de croyance et de paix. Suite à la Révolution, le mont devient une prison pour les prêtres réfractaires en 1793. En 1811, un décret impérial transforme l'abbaye en maison de force pour les condamnés aux travaux forcés. Elle abritait essentiellement des prisonniers de droit commun et quelques détenus politiques tels Armand Barbès et Auguste Blanqui. Près de 15 000 détenus des deux sexes seront enfermés sur l'îlot jusqu'en 1863, avec 800 à 1000 détenus par an. Je ne crois pas qu'il existe deux lieux semblables à celui-ci dans le monde. De l'architecture gothique, cette merveille semble tout droit sortie de l'Empire. Sa flèche dressée vers les cieux, sa forteresse dominant l'océan. Je pense à tous ces hommes qui ont destiné leur vie à construire ce lieu. Durant des siècles, ils ont tenté de se rapprocher de Dieu. Ce monument millénaire offre au regard une diversité de formes architecturales, puisque sa construction a commencé au Xe siècle et s'est poursuivie jusqu'aux restaurations du XIXe siècle. Sur un site inhospitalier, durant 1300 ans, son édification représente une incontestable prouesse technique et artistique.
à partir du XIVe siècle, les conflits successifs de la guerre de Cent Ans, opposant la France et l'Angleterre, imposent l'édification de nouvelles puissantes fortifications. Le Mont, défendu par quelques chevaliers fidèles au roi de France et protégé par une muraille flanquée de plusieurs tours de défense, parvient à résister aux assauts de l'armée anglaise pendant près de 30 ans. Le contexte historique, politique et économique durant tout le Moyen-Âge influe grandement sur l'ouverture des chantiers et sur les moyens mis en œuvre. Au cours des siècles et au gré des incendies, effondrements, reconstructions, changements de fonction ou de restitution, l'abbaye s'est transformée. L'église abbatiale, bâtie au sommet du mont, repose à 80 mètres d'altitude. En 1421, aux pires heures du siège, le cœur roman de l'église s'effondre. Il ne sera totalement reconstruit qu'un siècle plus tard, dans l'élan de l'art gothique flamboyant. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le mont, déserté par ses abbés commendataires, perd de son importance, tant sur le plan militaire que religieux. En 1622, la réforme de la congrégation de Saint-Maur installe de nouveaux religieux dans l'abbaye. Ils vont réaménager le lieu et tenter de relancer la vie monastique et les pèlerinages. Ces moines doivent par ailleurs faire face à l'arrivée de prisonniers écroués par lettres de cachet dans une abbaye devenue aussi la Bastille des Mères. ...1300 ans d'histoire, de pèlerinage, de guerre d'influence, d'invasion. Cette abbaye, symbole de croyance, aura vu une bonne partie de l'histoire de France du haut de ses tours. Les plus grandes marées d'Europe encadrent ce haut lieu de pèlerinage, qui fut avec Rome et Saint-Jacques de Compostelle l'un des plus grands foyers spirituels de l'Occident médiéval. Aujourd'hui, il est le monument le plus visité de France après Paris, avec ses 3 millions de visiteurs par an, venant du monde entier. Comme si ce pèlerinage national était devenu mondial.